praising Jesus. Jamais ça sera influencé, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je m'appelle Anne Pessia et on m'a demandé de vous dire pour moi c'est quoi Noël, c'est, comment je le vois, comment je le perçois. Dans le fond, pour moi, Noël, c'est vraiment une opportunité de se rencontrer en famille, que ta famille soit spirituelle ou biologique. C'est un événement où tu rencontres, je sais pas, tu rejoins les gens qui ont un impact dans ta vie. C'est un événement où tu as l'occasion de les remercier, puis tu as l'occasion de remercier aussi la personne qui t'a créé. C'est l'occasion aussi de célébrer l'événement de la naissance de Jésus, qui a vraiment comme... C'est un événement qui est assez très important en fait dans la vie d'un chrétien. Puis aussi, c'est l'occasion de juste faire un point dans sa vie de tous les jours, parce que à Noël, c'est vrai, les magasins généraux sont fermés et tout, mais c'est vraiment comme on coupe la vie du quotidien, puis on rentre vraiment dans le concret, dans le spécial. On rentre dans l'esprit de célébration et tout, on est reconnaissant pour les gens que Dieu a placés autour de nous, les gens qui ont de l'impact autour de nous, on est vraiment reconnaissant pendant Noël, puis on célèbre avec les gens qu'on aime. Je m'appelle Divine et on va poser la question, c'est quoi pour moi la définition de Noël en fait. Et Noël pour moi c'est juste passer du temps avec sa famille et réaliser que Dieu est au milieu de nous. On peut le réaliser tous les jours, mais vraiment Noël c'est un temps où tu réalises que Dieu a été là tout le long de l'année. Jusqu'au 25 décembre, jusqu'au 31 décembre. Et c'est ça. Alright, c'est la gang des flancs, c'est Pasteur Ben qui est là. Et on m'a demandé, ben, Pasteur Ben, c'est quoi le but de Noël? Parce que certainement, il y a plein de façons, il y a plein de choses de pourquoi on célèbre Noël. Des fois, on pense à un rassemblement de famille, où on pense que c'est là qu'on va recevoir nos cadeaux, c'est là qu'on a enfin des vacances, right? Fait que tous ces genres de raisons-là qui arrivent, mais pourquoi Noël? Puis en tant que chrétien précisément, mais pourquoi on célèbre Noël? Parce que toutes ces raisons peuvent être attrayantes, mais c'est pas vraiment le pourquoi qu'on se rassemble pour Noël. Puis pour ça, je vais mettre un peu de contexte. Dans Matthieu 1, on va parler de la naissance de Jésus. All right? Ça dit Matthieu 1, à partir de verset 18, « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. » Ça, c'est bon de s'en rappeler, celle-là. Tout cela arrivera enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alors, la raison pourquoi on prend le temps de célébrer que c'est une grande fête, surtout pour nous, les chrétiens, qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, eh bien, c'est parce qu'on veut se rappeler du fait que Dieu s'est fait homme. Dieu est venu sur terre à travers son Fils, Jésus-Christ, pour nous libérer de nos péchés, pour qu'on puisse revenir en relation avec le Père. Alors, durant ce moment-là, c'est oui, on se commémore en famille, oui, on a la possibilité de célébrer ensemble, de partager l'amour, de partager un bon temps, mais probablement, si on prend le temps de recevoir, on prend le temps de se rappeler, Dieu est venu dans le monde. Dieu s'est fait homme. À travers Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous sortir du péché. Pour que dans le moment où tu te sens seul, il puisse être avec toi. Toi, en ce moment, peut-être que tu écoutes, tu es seul. Que cette saison-là n'est pas vraiment un moment de réjouissance. Mais que malgré ta circonstance, tu puisses te réjouir. Tu puisses te réjouir de la grâce de Dieu. Tu puisses te réjouir du fait qu'il est venu sur terre pour te rejoindre. Et il a donné sa vie pour plus jamais que tu sois seul. Que tu aies la possibilité encore aujourd'hui d'être avec lui. Que par sa grâce, tu puisses vivre sa miséricorde, tu puisses être libéré de tes péchés et que tu puisses dire, tu sais quoi, finalement, je peux être avec lui. Et ça, c'est pour l'éternité. Alors, tu vois, c'est pas simplement d'acheter des cadeaux ou de recevoir des cadeaux, malgré que ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais ce que je t'encouragerais à faire, c'est de prendre le temps de dire, attends, est-ce que j'ai fait
de Noël, juste des vacances ou l'opportunité d'aller acheter des cadeaux ou juste de passer un bon temps en famille, qui sont pas mauvais. Mais que malgré tout ça, ça peut être une distraction de la vraie raison du pourquoi on se rassemble pour Noël. C'est-à-dire qu'on se rassemble, pas pour toutes ces choses, parce qu'elles sont bonnes, mais on se rassemble à cause de l'acte que Dieu a fait à travers de Jésus-Christ de venir dans ce monde, de s'humilier pour se connecter avec toi. Pour qu'il n'y ait plus rien qui t'empêche de lui parler, de passer un temps avec lui pour toute l'éternité. Alors, c'est toi, c'est même la première fois, mais tu sais quoi? Je t'invite de donner une chance à Jésus. De dire, tu sais quoi? Toutes ces choses, j'ai vu que, oui, sont bonnes, mais au bout du compte, ça ne va pas me libérer, ça ne va pas m'emmener la paix, ça ne va pas me libérer de mes péchés ou de mes erreurs, ça ne va pas me donner de la grâce. Non, ce que j'ai besoin, c'est de Jésus. Alors, c'est toi, j'aimerais t'inviter à faire une prière, simplement pour que tu puisses accepter Jésus dans ta vie, pour que dans cette saison, un nouveau départ s'offre à toi. Une nouvelle identité s'offre à toi comme enfant de Dieu. Libéré des péchés, de peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton entourage, tu peux en être libre. Alors, on va prier ensemble. All right. Seigneur Jésus, on veut simplement te dire merci. Merci d'être venu dans ce monde, Seigneur. Merci de t'être humilié, de te faire homme. Et que par la suite, tu as offert ta vie à notre place pour nous libérer de nos péchés. Et que par la résurrection, tu nous as donné la victoire sur la mort. Et qu'on puisse avoir une vie éternelle à tes côtés. Je me rends compte au milieu de toutes les circonstances, toutes les choses qui se passent, qu'on ne soit pas distrait. Qu'on ne soit pas distrait de la célébration et de la vraie raison de la saison, qui est toi. Tu es venu dans le monde pour venir donner la bonne nouvelle et d'être cette bonne nouvelle. On t'accepte maintenant dans ta vie, dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-nous nos péchés. Merci de ta grâce et de ta miséricorde et de ton amour. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. So yeah, that's it guys. C'était mon petit résumé, mon synopsis. Et sur ce, j'espère que ça a donné un peu de lumière sur pourquoi de Noël. Sur ce, on se voit à la prochaine, à dimanche ou dans les couloirs. Much love guys. Mouah!